L'heure des adieux pour les 41 membres, 41 du gouvernement Castex, c'était leur dernier conseil des ministres. Oui, gouvernement qui devrait rester en place jusqu'à vendredi, le 13 mai. Mais ensuite, quand le nouveau gouvernement sera-t-il nommé? Emmanuel Macron entretient le flou, y compris sur l'identité du futur Premier ministre. Jacques Serey, vous étiez à l'Élysée tout à l'heure, le remaniement est imminent. Oui, Jean Castex devrait annoncer sa démission vendredi ou samedi. Et si Gabriel Attal ne l'a pas confirmé, c'est tout comme le porte-parole du gouvernement rapportant les propos tenu par Emmanuel Macron à la mi-journée lors de ce Conseil des ministres. Le président a eu un mot de remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex, qu'il a remercié chacune et chacun pour le travail qui a été fait. Il a indiqué qu'il y a près de 2 ans, Jean Castex a accepté de diriger un gouvernement de combat. Il a dit avec solennité et affection qu'il avait été très fier d'être autour de cette table avec Jean Castex et avec son gouvernement ces 2 dernières années. Alors un nouveau Premier ministre devrait être nommé ce week-end, samedi ou dimanche, et un nom est de plus en plus cité pour Matignon ces dernières heures en Macronie, celui d'Audrey Azoulay, actuelle directrice générale de l'UNESCO. Elle était ministre de la Culture et de la Communication sous François Hollande, et le week-end devrait être marqué par de nombreuses tractations, consultations, puisque le futur gouvernement devrait être annoncé en début de semaine prochaine. Merci Jacques.